se hisser en haut des 674 marches menant aux deux étages du plus beau monument de France aurait pu lui coûter la vie. Heureusement, ce visiteur est tombé sur un médecin du SAMU très aguerri. Au beau milieu de sa visite de la Tour Eiffel, vendredi 28 avril, un homme a été victime d'un arrêt cardiaque. Dépêché rapidement sur place et compte tenu de la situation, un médecin du SAMU aurait alors, selon les informations de TF1/LCI, décidé de l'opérer sur place. L'opération consistait à placer un cœur artificiel à la victime, via la technique de l'oxygénation extracorporelle de la membrane, ECMO, une technique d'assistance circulatoire qui consiste à assurer la circulation et l'oxygénation du sang par le biais d'une pompe. Une action qui a été réalisée avec succès par l'équipe du SAMU en un peu plus de 2 heures. Une véritable prouesse technique. L'homme a ensuite été transféré à l'hôpital Necker, dans le 15e arrondissement de Paris.